Salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. On se retrouve sur Minecraft, plus précisément sur Rhinaorc, pour faire une nouvelle vidéo sur le serveur comme d'habitude. De toute façon, vous avez un petit peu l'habitude que je fasse des vidéos sur Rhinaorc. De toute façon, vous aimez bien le serveur, alors tant mieux. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent salut, donc je vais dire salut. On va partir sur du Skywars. Est-ce que au moins il y aura des gens? Parce que s'il y a personne, c'est bête. Oui, il y a des gens. Oui, mais je voudrais 6 joueurs en attente. Alors, comme j'ai les droits, je peux aller dans des trucs. Comment ça, je peux pas y aller? Ok, je peux aller sur Flora, mais pas sur l'autre. C'est extrêmement zerbi. C'est génial d'avoir les avantages, hein. Je trouve ça génial. Après, ce sont des avantages. Oui, donc je voulais parler un petit peu de tout ce qui allait se passer au niveau Minecraft sur la chaîne. Normalement, si j'y pense bien, normalement on va record du FK durant ces vacances. Après, c'est pas sûr, hein. Franchement, c'est pas sûr. J'espère qu'on y arrivera. Mais si ça ne l'est pas, ça serait dommage. J'ai contacté Peter Ping, donc vous devez le connaître, hein, sur le serveur Rhinaorc. Il est assez connu, il a le même grade, il a le grade youtubeur et tout. Après, s'il n'y a aucune réponse, parce que je l'ai contacté, il m'avait dit oui, mais là il me répond plus. Donc s'il me répond plus, enfin s'il me répond pas, ben, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre. Et voilà, de toute façon c'est du travail, c'est de l'organisation. Mais ça me fait un petit peu chier. Vraiment, j'ai envie de le faire avec un autre youtubeur que je sais qu'il va record. Vraiment, c'est vraiment une préférence que j'ai. Après, je voudrais bien jouer avec mes abonnés, mais ça, c'est quand j'aurai plutôt la fibre. Quand j'aurai, je voudrais bien le faire en live, mais pas pour le moment, franchement. Pas pour le moment, puisque déjà, ça sert un peu à rien et surtout, c'est de l'argent dépensé. Donc on arrive, on va faire un peu de Sky, on va faire un peu de tout hein, dans cet épisode surtout. On va surtout parler de tout et de rien, donc on commence par du Skywars. Sûrement on va se terminer sur, je sais pas, une petite partie de Bedwars. De toute façon vous savez très bien que les vidéos Minecraft c'est pas surtout, enfin pour moi c'est, pour vous c'est regarder hein. Mais il y en a c'est pour écouter ce que je parle parce que des fois je parle des choses qui sont très intéressantes. Qui parle de tout, un peu de tout et de rien. Et c'est un peu ce que j'aime bien dans ce. Ok, je me disais, est-ce que ce qu'elle est le plus fort, c'est l'enchante ou pas? C'est pas l'enchante. Ok, hop, 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 hop. On met toujours ça, vous avez l'habitude un petit peu de mon jeu. Ok. Alors, il y en a un qui va y aller. Alors, toi, je sais pas quelle est ton utilité, mais tu dégages. Toi. Oh bah c'est pas grave, de toute façon j'ai accès à ici. Hop là. Hop là. Allez, allez, c'est cassé, c'est fait. Toi tu as tombé dans le vide, voilà, merci, au revoir. Oh là là, mais les gens ils sont pas très réactifs, c'est un peu décevant. Pas trop de level sur le serveur et ça je peux me le permettre de le dire parce que c'est vrai hein, malheureusement même les modos hein, le disent hein. Malheureusement c'est un serveur crack donc il n'y a pas vraiment de level assuré. J'ai envie de faire ça pour faire beau gosse. Wow. Et bah dis donc Francis il se fait plaisir. Ouais mais là je me fais plaisir. Hop hop hop. Il n'y a personne. Personne n'a eu un accès aux mines. Assis-toi. De toute façon, j'ai même pas de. Ah, fais chier. Je suis totalement loupé. Et je me suis aussi loupé sur ça. Ça a pas repris mon pseudo. Ok, j'enlève un peu toute ma merde. Ok, j'ai vu un mec. Ok, bon, ben je me suis un peu raté. Il m'a mis premier coup. Bon, ben GG à lui, hein. GG à lui, on va terminer. Bon, mais il a gagné, bravo. Ouais, mais d'accord. Ça, c'est chiant par rapport au serveur. C'est qu'il y a. Si ça fait ça, il n'y a pas assez de machin. C'est chiant. Hop, on va mettre les NPC. Hop, hop, hop. Ok, aucun serveur. Si j'appuie là, il n'y a vraiment aucun serveur. Ok. Et ici, est-ce qu'il y a des serveurs?
Ouais, bon, ça sert à rien. On va quitter, on va prendre un autre jeu. Murder, j'aime bien le murder. On pourrait aussi se faire un Bed Wars. Aussi, il y a des gens qui me demandaient, mais pourquoi tu joues qu'à ces jeux? Moi, j'étais en mode, parce qu'il y a des jeux qui sont pas intéressants, que j'aime pas vraiment. Et genre que je suis pas aussi très fort. Hein. Enfin, si je joue un jeu où je suis pas vraiment fort, je ne vois pas l'utilité. Enfin, si, à apprendre, mais si ça m'amuse pas, je ne vois pas l'utilité absolue. Donc voilà, j'ai des projets en tête et tout ça, il me faut toujours, comme je vous l'ai dit, qu'il faut que je parte de quelque chose et il faut que je parte donc sur ma chaîne YouTube pour pouvoir réaliser des projets. Et ces projets vont pouvoir être là à faire ce que j'aime bien dans la vie. Voilà. Après, je voulais vous parler un petit peu de tout ce qui se passe dans ma vie. Vous savez très bien que je suis en terminale économique et sociale. Je vais bientôt aller à la fac, à faire une licence générale. Et je vais faire une licence. Enfin, j'ai déjà proposé trois vœux. J'ai un vœu qui est sur une licence d'histoire, parce que j'adore l'histoire. Une licence de géographie, parce que la géographie, c'est mon dada et j'adore la géo. J'adore tout ce qui est au niveau géopolitique. Alors là, c'est mon truc. Ne vous posez pas de questions, c'est mon truc. Quand vous me voyez jouer à GPS 4, ça se voit que j'aime bien. Ouais, je sais pas, 60 FPS et tout. J'ai des quelques lags. Quelques baisses de... Mais bon, c'est pas grave. Donc, je voulais faire un peu de géo, je voulais faire un peu d'histoire. C'est vraiment... Après, j'ai pris le troisième, c'est AES, c'est Administration économique et sociale. Mais en soi, si je le classais, parce qu'avec Parcoursup, c'est tout nouveau, on ne peut pas classer. Mais si je le classais, si je classais un peu tout ça, ben j'aurais mis en premier la géographie. Parce que la géographie, j'adore ça. En deuxième, c'est l'histoire. Et en troisième, c'est AES. Voilà. En dernier, c'est vraiment le dernier recours, c'est AES. Mais je sais que je serai pas heureux. Avec AES, je sais que je vais pas être heureux. Mais je sais que je vais être accepté. Mais je sais que je vais pas être heureux. Pour que je sois le plus heureux, c'est qu'on me donne la licence de géographie. C'est qu'on m'accepte la licence de géo. Ça serait quelque chose qui me rendrait le plus heureux. Parce que c'est cool. Tout simplement. Par contre, pourquoi on est toujours en Shinjika là? C'est chiant. Pourquoi ils nous mettent pas nos skins d'avant? Avant, ils nous mettaient nos skins. Par contre, le fait qu'il y ait personne, quoi, c'est... 7, ok. C'est un peu très long. 14. Moi, c'est à 14%. Enfin, là, c'est 12 maintenant. C'est 10. Ah, il y a enfin des gens. Ah, enfin, on va pouvoir jouer. Allez, commencement dans 100 secondes, sérieusement. Dans 2 minutes, dans moins de 2 minutes. Murder 10, Murder 7. Allez, commencement dans moins de 60 secondes, donc de 1 minute. Ah, voilà, je voulais vous parler de ça. Puis aussi vous parler un peu de Rina Orc. Ils vont faire aussi un nouveau site. J'ai vu ça, j'ai vu un peu, enfin j'ai vu parce qu'ils ont mis des screens, enfin des photos. C'est vraiment pas mal, c'est beau, j'aime beaucoup. Et j'espère que ça va être très joli. Après, ce qui manque un peu sur Inahork, c'est des jeux UHC. Genre un double runner, comme je vous l'ai dit avant sur une ancienne vidéo. Je vous l'ai dit, sur Sama Games, j'ai même fait des vidéos sur ma chaîne, sur Sama Games. Ah ben je suis meurtrier. Sur Sama Games, où en fait, c'était un double runner. C'était encore plus rapide qu'un UHC run. Donc tout était multiplié par 4. Ça dure juste 10 minutes, etc. Et en soi, c'est très très cool parce qu'au moins ça va vite. Et donc les gens, ils vont jouer. Hop là. Et il y a plein de choses comme ça qui font que c'est intéressant. Et malheureusement, voilà. C'est triste parfois. Ok, je l'ai tué. Salut. Oh merde!
GTG, je crois qu'il a voulu dire GG. Mais ça c'est chiant! Mais ça c'est chiant aussi de Rina Orc, le fait que ça soit comme ça, il n'y a pas assez de serveurs. Ça c'est chiant, je trouve. Ça fait toujours ça, c'est chiant, faut attendre 46 milliards de fois. Donc bon. Alors, on va se terminer sur un petit Bed Wars. Ouais. Donc, Bed Wars en double, non, parce que je sais que je vais avoir des teammates de merde. Ah ouais, parce que moi, je veux pas avoir des gens qui sont pourris. Ah. 3v, 3v3, ça serait pas mal, ou en 1v1. Bon, 1v1, c'est facile. Encore! Mais ça, c'est chiant! Pas assez de place pour votre groupe. What? Ok, et là, c'est bon? Ah, voilà! C'est stupide, il n'y a personne qui est connecté dans mon groupe. Bon, c'est pas grave. Oh là, il y a Shock Bank qui a l'air pas mal, qui a l'air assez fort. Donc voilà, il y a Rhinoorq qui vont faire aussi un nouveau site. Il y a beaucoup de problèmes avec Rhinoorq. Enfin, il y a des problèmes déjà. J'aime pas trop la couleur de YouTubeurs. Je préférais quand ils avaient mis en orange, comme avec le même, avec la même couleur du rang guide. Parce que déjà, c'est pas très beau. Violet. Enfin, je trouve ça pas super beau. Et ça fait que il y a des gens quand ils voient le violet, ils disent, bah ils disent rien. Ils disent, c'est pour eux, c'est pas une couleur qui se fasse remarquer. C'est pas une couleur qui fait flashy. Et en fait, c'est dommage parce que moi, on me pose toujours, pourquoi t'as cette couleur? Qu'est-ce que c'est que cette couleur, etc. Et quand vous allez dans les hubs, etc. Et bien en fait, la couleur violet, ça, on le voit pas vraiment. À part avec des textures pack, mais sinon, moi, comme là, j'ai pas de texture pack, avec la couleur violette, on voit pas du tout le pseudo. C'est limite, c'est caché. C'est dégueulasse. Et ça, c'est dommage. C'est moi, il y a des lags. Non, ok. C'est moi qui rêve. Est-ce qu'il y a le rose qui va vers moi? Non. Le rose, le rose. Il y en a qui disent rose, moi je dis rose. Moi je vais aller casser son machin. Hop là. Le rose qui a fait une mini protection. Hop là, on va faire un peu des tremplins. Simplement pour éviter de mourir, bêtement. Hop, 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 hop. Oh putain, c'est quoi cette protection de merde qu'il nous a faite? Ah ok, il m'a vu. Bon. Vu qu'il a pas son épée, je peux me perdre. Alors, je le touchais, mais ça prenait pas les coups. Bravo Rhinoorq, expliquez-moi ceci s'il vous plaît. Oui, il y a beaucoup de critiques que je peux faire sur Rhinoorq et je me permets de les faire. Ouais. Alors là, il m'a touché de loin, lui. Vous avez vu comment il m'a touché de loin quand même? Bon, ben, je suis mort. Enfin, bref. De toute façon, je m'en fous. C'est pour juste vous parler de ça. Il y a des choses qui sont pas normales sur Rhinoorq, comme il y a des choses que voilà que j'aime pas trop sur Rhinoorq. Donc bon, c'est. Je pourrais, même si je grade, hein, même si je représente un peu Rhinoorq, je me permets quand même de faire des critiques. Après, s'ils les prennent et qu'ils améliorent ceci, tant mieux. Mais s'ils les prennent pas et ils en font pas une amélioration, mais tant pis, hein. C'est pas mon problème, hein. Comme je l'ai dit, je pose mes idées et puis voilà, c'est tout, quoi. Après, s'ils prennent, tant mieux. S'ils prennent pas, bah, tant pis, quoi. Je m'en fous, hein. Comme ça, c'est la vie, hein. J'exprime mon opinion. S'ils les veulent pas, ils veulent pas. Et s'ils me l'enlèvent, ben, ça prouve que voilà, ils veulent pas connaître les opinions des autres. Et puis voilà. Après, je leur ai pas demandé, hein. Mais je compte leur demander. En tout cas, ben, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, ciao tout le monde.